Coucou mes stars, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Sur Bookram. Je l'ai dit, genre j'ai bouffé le Bookraven. Je suis une assistante sociale et puis je vais aller vérifier que ça va bien chez les familles. Alors je sais pas, ça m'est venu comme ça. Et je vois en plus que ça pleure ici. Donc je vais aller sonner. Pourquoi ça pleure là? J'arrive, ça pleure de ouf. Il y a des enfants partout. Elle est où votre mère là? Je dois parler à la daronne pour savoir si tout va bien. Bah sérieux. Qu'est-ce qui se passe? Et je suis arrivée au bon moment je crois. En plus elle est en train de bouffer une omelette sur sa tartine. J'ai l'impression qu'elle s'est fait frapper toute la nuit. C'est moi la même. D'accord, bah je me présente, je suis Madame Buisson, assistante sociale, et je viens contrôler pour savoir si vous vous occupez bien de vos enfants, parce que là ça a l'air d'être une catastrophe, mes stars. Tu es la vraie. Oui, je suis la vraie Madame Buisson, maintenant laissez-moi rentrer s'il vous plaît. Vous avez combien d'enfants, madame? Moi je suis trop sérieuse, genre je suis trop grave rentrée dans mon rôle. Plus tard je veux devenir assistante sociale, comme ça, quand je vais dans les familles, et ben je prends tous les enfants avec moi. Oui. Comment ça, oui? Moi, je vous demande combien vous avez d'enfants. Elle est partie où? Il y a une enfant, elle a quitté. Et ils sont passés où, vos enfants, là? Ça commence à être inquiétant, je suis sûre, elle les a mis dans sa cave, mes stars. Ok. Je lui demande, ils sont passés où, ces enfants? Elle me répond, ok, elle est trop bizarre. Ah, je crois qu'elle a adopté la petite, là. Mais madame, est-ce que vous avez bu? Non, mais je suis sûre, elle a consommé, c'est pas possible. De toute façon, regardez sa tête. Obligée, elle a pris au moins 3 candy up là. Et elle est pas dans son état naturel. Et dans son état normal, c'est obligé. Tu es la vraie. Ouais, je suis en train de demander à la ministre de l'ANA si c'est la vraie. Madame, clairement là vous avez l'air d'être en état de consommation de Candy Up. Mes stars, dites-moi en commentaire si vous connaissez la boisson Candy Up. Ceux qui connaissent pas, je vous renie. Et puis moi, ma saveur préférée, à un moment donné c'était une édition limitée je crois, qu'ils avaient fait de la banane. Et depuis j'arrête pas de demander à ma mère, elle me dit bah ils en vendent plus, je suis trop deg. Mais sinon moi je bois trop de la vanille. Je crois qu'elle a beaucoup bu ça mais à la fraise, ça expliquerait tout. Ouais j'avoue, la fraise c'est quand même plus éclaté que la vanille. Elle nous frappe. Quoi? Votre mère elle vous frappe? Y'a Camilla, elle a dit elle s'est frappée par la daronne. De qui tu parles? Elle est dans un troisième univers, mes stars. Talia, elle est partie très très loin. Elle comprend rien à ce qui se passe. Elle est là, elle répond à côté de la plaque. Y'a Camilla, elle a disparu. Elle s'est fait bannir, je crois qu'elle a renié sa fille. Là, c'est dangereux, vous avez trop consommé à la fraise. C'est clair, non mais la fraise, c'est deux fois pire que la vanille, hein. Ça m'énerve. Pourquoi, madame, vous êtes énervée? Moi, je ne partirai pas, je suis l'assistante sociale. Elle me demande à moi de partir. Vous ne voulez pas aller voir un psy? Mais la ministre Vetlana, elle en rajoute de ouf, mes stars. Madame, je suis au regret de vous retirer la garde de vos enfants. Vous avez vraiment trop de problèmes à gérer. Essayez de faire quelque chose avec votre consommation de Candy Up. Oui, prenez soin de vous. Mais attends, ministre Vetlana, c'était ta mère. Non, partez. Elle veut nous bannir. Viens vite, petite, si tu viens avec moi, je te retire de sa garde. J'ai sauvé deux enfants de cette mauvaise mère, mes stars. Et regardez là, elle est clairement en train de perdre pied, elle est en train de hurler dans la rue. Ah, je l'imagine dans la rue comme ça, genre vraiment, je l'imagine comme ça. Faut que j'arrête ma daronne, elle m'a rentré, elle va comprendre. Elle me dirait, t'as ton ordinateur, ça t'a brouillé les neurones. T'as dit quoi là, répète. Mais madame, calmez-vous, ça va bien se passer. Je suis en train de me faire embrouiller par la daronne, mes stars. Vous m'énervez. Mais c'est temporaire, madame. Si vous arrêtez le candium, vous pourrez récupérer la garde de vos enfants. En plus, on habite juste en face. Vous pourrez voir vos enfants, mais vous pourrez pas leur parler. Oh non, mais c'est horrible de dire ça. Je les ai enfermés avec moi, mes stars. Vous avez compris, madame Talia? Elle va fumer de la tête, bientôt va y avoir plein de fumée qui va sortir de son crâne comme ça. Et sa tête, elle va devenir toute rouge. Je n'ai pas bu. Mais madame, ça se voit sur votre visage que vous êtes pas bien, regardez. Elle a plein de cernes autour des yeux et vous n'arrivez même pas à terminer votre tartine d'œuf. Mais je ne l'ai pas tapée. C'est votre enfant qui a dit ça. On est obligé de se décaler. Et les enfants, bah ça mange jamais. Oui, elle nous frappe. Elle s'est balancée. En plus, c'est vos deux enfants hein, qui le disent. C'est pas genre, il y a qu'une enfant sur les deux. Genre, les deux, elles disent qu'elles se sont fait frapper. J'ai pas capté, là, elle nous sort, je crois, un sortilège magique, mes stars. Tu es horrible. Je n'ai pas d'enfant. Ah bah, ça, c'est sûr, maintenant, t'en as plus, hein. Parce que maintenant, t'as plus la garde. Même Svetlana, c'est tout sauf une bonne mère. Je suis son témoin en tant que fille. Elle m'a fait subir du sale. Oh, mes pauvres enfants. Ça me fait tellement mal au cœur, regardez. J'ai mal au cœur, mes stars. Petit pauvre enfant. Attends, j'ai dit le mot tabou, j'ai dit pauvre, elle est pas. Ah, pauvre, il y en a, il essaie de danser devant ma baby tree et j'ai cru qu'elle allait la frapper. Et toi, tu ne m'as pas tapé, et toi?
Mais vous, vous êtes la mère, voyons. Elle a disparu. Elle s'est évaporée, là, Madame Talia. Ah bah, je crois qu'elle s'est déconnectée. Sa maison, elle a disparu juste en face, mes stars. Non, mais en vrai, c'était super drôle. C'est juste dommage qu'elle ait pas trop rentré dans le RP. Elle était... Je sais pas si elle était, genre, énervée pour le RP ou genre, je l'ai vraiment énervée, mes stars. Dites-moi en commentaire. Et en vrai, franchement, ça va. Il est quand même sympa, mon RP assistante sociale. Non, mais elle a clairement pas assumé cette mère indigne. Elle s'est déconnectée. Et il y a un petit cochon, là, devant ma porte. C'est quoi ce délire? Quoi, il y a un petit cochon devant ma porte? Mais il est tout mignon, mes stars. C'est quoi ce bordel? Bonjour. Et ça parle en plus? C'est l'enfant qu'elle a transformé. Vous pouvez m'adopter? Ok, bah j'avais besoin d'un animal de compagnie, donc vas-y, viens. Il peut rentrer à la maison. Vous êtes des menteuses, elle vous a pas tapé. Mais madame, vous êtes qui, vous? Mais ouais, mais vous êtes qui? Vous prenez la défense. Mais madame, vous savez répondre ou pas? Wesh, elle est chez moi, elle prend la défense de la mère indigne, mais elle me dit même pas c'est qui, wesh. Non mais présentez-vous au moins. Vous êtes la troisième fille cachée de la mère indigne? Vas-y, c'est bon, j'ai banni. Elle veut pas RP avec nous, bah tant pis. Oups, elle est tombée, j'ai juste fait un petit croche-pied dans l'escalier. Je t'ai signalé. Oui, j'attendais quoi? Elle m'a signalé? Attendez, c'est... Je suis en train de regarder si c'était elle qui avait dit qu'elle avait pris la défense ou pas. Non, mais il y a trop de conversations, mes stars, je comprends rien. Ah, mais non, mais c'était Mazelis, mais je sais pas. Tonton Robert. Ah, bah tiens, il y a Robert qui est venu. Mais qu'est-ce qu'il fait, Robert? Roro. Ah, mais il y a Talia qui est revenue, regardez, il y a la mère indigne. Il y a Talia devant la porte, mes stars. Je vais appeler la police, laissez ses enfants. La vérité, s'il y a la police, je l'appelle. Mais il n'y en a pas, elle a de la chance. Il n'y a pas de police connectée. Oui, tu mérites la prison à vie. Ah, mais elle est là, wesh, regardez. Elle est trop flippante. Venez monter à l'étage, les enfants, vous serez plus en sécurité. Je veux de la pizza. Eh ben t'auras des courgettes. Mais la petite chose, elle est trop mignonne. Genre l'adopter dans la vraie vie, mes stars. Y a vraiment trop de cuteness. Y a trop de cuteness dans cette petite chose, mes stars. J'ai envie de la prendre et de la manger. De Jurassic Park. Elle a peut-être pas tort, la petite là. De la forêt. Et ils sont où tes vrais parents? Pourquoi ils s'occupent pas de toi? Je veux des courgettes. Mais ouais, j'ai dit ça pour qu'elle soit trop deg de manger des courgettes et elle veut des courgettes. Ah mais faites attention, vous écrasez votre petite sœur là, elle est toute mini là. Wesh, mini bête là, t'es en train de l'écraser. Ok, bon, on n'aura pas de réponse. Je vais aller préparer un repas. Je pense qu'ils doivent avoir un petit peu faim. Je suis descendue, il y a Robert qui s'est multiplié. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites devant chez moi? Vous êtes qui? Ouais, je reconnais ça, c'est des abonnés, mes stars. On est au complet, les gars, j'ai pas assez de courgettes pour tout le monde là. J'ai déjà 4 bouches à nourrir. Ma maman n'a pas assez de courgettes pour tout le monde, désolée. Ah, mais en fait, elle dit ça parce qu'elle veut garder toutes les courgettes pour elle. Mes stars, on va faire ça comme des chefs. Je vais préparer des courgettes. On va mettre ça sur le feu. On va faire de la cuisson. De la cuisson, regardez-moi ça, je suis un grand chef étoilé. Du bonhomme Michelin, qui vend des pneus. Mais qui est un grand restaurateur aussi. On va sortir les courses du frigo. Oh, et puis merde, qu'est-ce que je m'emmerde, moi, mes stars? Là, vous pouvez vous servir du coca, mes stars. Parce que franchement, flemme de faire à manger, votre repas, ça va être du coca. Elles ont toutes pris du coca, mes stars. Et chez moi, c'est des repas à l'américaine. C'est moi qui ai mis le truc de coca là-haut, wesh. Ah ouais, c'était moi, j'ai mis du coca dans le mur. C'est la pisse de tonton Robert. Franchement, mon enfant, elle est un peu bizarre, là, non? Vous trouvez pas, mes stars, quand même? Y a des gens, ils essayent de s'introduire chez moi, mais ça va pas, non? En plus, je vous vois en direct, wesh. Moi, je vais... Regardez, je m'amuse à enlever leur sac de couchage, mes stars. Et je vais vous bannir, hein, si vous continuez, là. Abusez pas non plus, un sac de couchage. Je peux travailler. Non, mais attendez, je suis une assistante sociale. Et elle veut... Elle a 3 ans, elle veut travailler pour moi, ça va être compliqué. Je vais me faire virer de mon travail, moi. Ah bah, y a quelqu'un qui a préparé le repas à ma place qui allait chercher un McDrive. Depuis tout à l'heure, ils essaient de rentrer avec leur sac de couchage, mes stars. Venez tout le monde, maison 37. Attends, wesh, comment ça, venez tout le monde? Attends, c'est laquelle, la maison 37? Mais c'est même pas une maison, c'est une île. Mais moi, je suis bien, je veux rester à ma maison, j'ai toutes mes affaires ici. J'ai mon dressing, j'ai mes affaires pour faire mon brushing, j'ai tout ce qu'il faut ici, en fait. Ok, j'avoue, c'est la maison. Bah oui, c'est la maison, c'est pour ça qu'on va rester dedans. Et que je lui fasse un massage. Quoi? Tu veux que je lui fasse son lit et un massage? Mais clairement, moi, mes stars. Bah, mes stars, je vais vous laisser, hein, parce qu'il y a Katia, elle va me faire un massage. Un massage thaï. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça au Kung Fu quand j'ai parlé de massage thaï. Je pense qu'en fait, on se fait frapper le dos. Je suis pas trop sûre, on m'a jamais massé, mais j'aimerais trop rentrer. J'ai vraiment besoin de ce moment de détente parce que assistante sociale, c'est vraiment dur comme métier. Donc moi, je vous laisse et je vais avec ma masseuse thaï et je vous dis à bientôt. La bise!